vanité de vanité. Poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakosala nini pona nzoto na ma na sili kosala pena lemi. Nakosala nini pona nzoto na ma na sili kosala pena lemi. Nzoto yo senga kinga yelamba nzoto na pesa kio. Nzoto yo senga kinga imasanga nzoto na pesa kio. Toto yo sena kinga ibwa de nuit tobare na koti sakio. Asile loyo toto toto oke ina lilita ope singata merci te na nyoso na salelio. Toto na ngai, toto senga kinga ibasi ya pembe ngai na pesa kio. Osenga kinga ya mwindu ya mukuse ya molai na pesa kio. Osaya nzoto senga kinga I toto salela kio. Asile loyo toto toto okay na lilita opesinga ta mesite na nyoso na salelio. Toto na ngai toto na ngai. Toto singa kinga idiambae toto shimbok na pesa kio. Shishato bilamba mukuse toto pesa kio. Motoka ndenge na ndenge ya shere mwa shere toto na pesa kio. Toto singa kinga ikabelo e toto pesa kio. Ma voyage kili kili pousse na yo toto na sale la ki yango. Asile loyo toto toto okay na lilita opesi ngata merci te na nyoso na sale liyo. Toto na nga toto oyokisi nga soni. Nako sala nini pona nzoto na siliko sala pena lemi. Nako sala nini pona nzoto na siliko sala pena lemi. Toto sena kinga yuna soe toto na pesa kio. Toto sena kinga ibana e toto na bota kibango. Toto sena kinga ibambongo toto pesa kio. Kinuma o sena kinga I toto sena kio. Kuiba toko na sena kinga toto sena kio. Kuesproke bato tango nyoso toto pesa kio. Bato tango nyoso na bututu na moyi toto sala ki yango. Asile loyo toto toto ina lilita esinga ta mesite na nyoso sale liyo. Oh toto na nga toto okisinga soni. Toto na ngai, toto na ngai, toto na ngai, toto na ngai.
Tikala seko basi abato bakoleka na bango liloba ekotikala seko aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokilo yo banga kanzambe aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokilo yo banga kanzambe. C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le chant parfait et réfléchi de l'Éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem. Sikana sena moi yezalite. Vanité de vanité, tout est vanité. Yeah.
te yango ngalandi mi ko banda pembeni na yeso yo ko swa toko zanga elikia sena ye basepeliza kanzoto na bango na mbongo batimba kaya kisi ye kasi moko laliwa Batika ba imeble a minene Bituka ya cher Bati yebili na mokili Nyoso ya mokilo yo Eza na litumbate Nzoto na biso bato Kutulu ya pamba ye Oliwa Barwa bako kiko zala na feti na bango bako sepela Liwa ekoti ezwi moko ekei na ye Liwa eyebi bakondite eyebi barwa te L'impolitesse de la mort promenade sa retour pour les pécheurs Oliwa Eko tatola Makita Suka ya bongo ina moto Oliwa Eko pandaka Basekele nyoso Suka ya bongo ina moto Yango bako misakate Soki moto nana kupite Oto yebite Basekele nyoso eko bima Yango balo balo bakate Soki moto nana kupite mama Oto yebite Basekele nyoso eko bima Oliwa Eyebi mbongo te Eyebi bakondi te Eyebi bapofwe te o Ezalaki na roi moko puissant Azalaki na mwana na ye moko Kombo na ye re soleil Azalaki kolikia Kesima ya kufa na ye Mwana oyo akorite tron Mokolo moko balali balaluki Mwana oyo akufaki Ezalaki pasi pe bolosi na mitema Liwa ayebi bola mute Soki liwa e baki mbongo Neba waba kupakate Bariche bakupakate Neba kondi bakupakate Sokili wa eba kimbongo Ne papa nanga kupakite Mama nanga ya kupakite Ne yaya nanga ya kupakite Yeye Oli wa e Heye bimbongo te Heye bikoli bisate Heye bielakate Heye bibakondite Heye bisemabe Basoda bakupakate Basportipe bakupakate Sokili wa eba ki doktere Weta la ki kote te ya ya Ne ya kupakite Nele ki nanga ya kupakite Ne ye Oli wa e Te ye mi bakisite E ye mobitale te Yeah.
S'il vous plaît. Pour Robert, je vais vous dire un petit poème. Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui n'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre les bras ouverts un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Madame, monsieur, vous êtes réunis nombreux ce matin en ce cimetière de Combs-la-Ville pour dire au revoir à Bélor qui vous a quitté tragiquement en sauvant son petit bébé. C'est un deuil. C'est un deuil très grave, très important pour vous de sa disparition. Et puis écoutez ce monde qui parle. Tout à l'heure, il va reposer là-bas dans cette sépulture qui va devenir pour vous ce lieu de recueillement, de souvenirs et de prières. Alors pour commencer ce temps de recueillement, je vous propose que nous fassions silence quelques instants dans nos cœurs. Ensuite, je laisserai monsieur le pasteur pour les prières. Je vais vous demander le silence. Il a plu au Seigneur notre Dieu pour pouvoir appeler auprès de lui notre neveu Bélor Kababa. Et c'est la tristesse qui nous réunit aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage et écouter ensemble l'évangile de la résurrection. Son départ est une déchirure pour tous. Nous pleurons son absence avec toute la famille et tous les amis. Le frère Bélor est parvenu à la fin de son voyage terrestre. Nous adressons nos condoléances à la famille, aux proches, aux amis et frères et sœurs dans le Seigneur, venu pour entourer la famille dans leur affliction. En effet, le livre saint dit « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui le rend important est comme de fleurs de champ. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. » Cette parole, c'est la bonne nouvelle que nous annonce 1 Pierre, chapitre 1, 24 à 26. Maintenant, l'heure de la séparation a sonné. Pour ceux qui restent, c'est une séparation d'autant plus cruelle qu'elle est subite. Voilà pourquoi nous sommes invités à nous tourner vers Dieu, pour le remercier du don d'une vie qui a compté pour nous, pour lui confier notre peine et pour écouter sa parole. Avant de partager la parole, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes. En quelques minutes, nous allons partager la parole, je vais prier et nous allons lire la parole. Seigneur, nous voulons venir devant toi avec des cœurs meurtris, blessés, et nous recommander entre tes mains. Nous prions au Dieu que tu nous parles pendant ces quelques minutes au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La lecture que nous faisons, une lecture biblique que nous lisons dans Ecclésias chapitre 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour
tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour faire perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour couper, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le fils de l'homme. Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a le bonheur pour ceux qui a se réjouir et se donner le bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et vit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là le don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à rétrancher, et que Dieu agit ainsi afin que le croyant craigne. Ce passage nous souligne trois choses et nous donne trois leçons que j'aimerais partager avec vous. La première chose, c'est que tout dans la vie a un temps. Nous ne voulons pas gaspiller le temps que Dieu nous réserve ici-bas. Il y a donc un temps pour toutes choses. Je prie que nous soyons assez sages pour savoir comment nous vivons. Mon esprit dit, enseigne-nous à compter nos jours et appliquer notre cœur à la sagesse. La deuxième leçon, c'est que nous devons savoir que la vie est un don de Dieu. Et aussi, si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Non, si nous vivons, ce n'est pas parce que nous prenons soin de nous, ce n'est pas parce que nous mangeons bien, ce n'est pas parce que nous sommes en bonne santé, c'est parce que Dieu nous a donné cette grâce. La troisième leçon qui est la dernière de ce passage, je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien, rien à ajouter, rien à rétrancher. Dieu agit en sorte qu'on le craigne. La troisième chose, c'est que pendant que nous vivons sur terre, apprenons à craindre Dieu. La crainte éternelle est le commencement de la sagesse et quelque chose de très très important, n'est-ce pas, pour nos vies ici sur terre. Alors, nous allons prier avant de laisser la parole, n'est-ce pas, à la famille. Père, nous voulons te rendre grâce, même avec des cœurs meurtris, toi qui as donné ce don et aujourd'hui tu as pu le retirer. Père, nous prions, ô Dieu, que tu bénisses les restes de ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous laissons avant tout la parole à la famille avant de continuer. Maman, viens prendre, s'il vous plaît. Viens prendre la parole. Non,
Calme-toi. Je suis ici, je prends la parole en ma qualité de grand-père. Je suis pas là. Yala Kabamba. Et aujourd'hui dans le secteur. Chimpagne la Kabamba Belor. Il n'est pas mort. Il est vivant. Ça nous étonne de voir que. Belor Kabamba est dans le secteur aujourd'hui. Je vous rappelle que Belor a un sang de chef coutumier. C'est un chef qui entre aujourd'hui dans la terre. Chez nous, ça ne se fait pas. On meurt chez nous à un âge avancé. Lorsque aujourd'hui, moi, le grand-père, je commence à enterrer mes petits enfants, je sais qu'il y a quelque chose. Là où cette mort est sortie, ça doit se faire sentir. Son père est décédé d'une manière encore anormale. Cet enfant ne devrait pas être là où il est aujourd'hui. Mais je parle aussi aujourd'hui devant tout le monde que la mort de Belor, que ça puisse être la dernière de venir encore ici à Paris pour accompagner encore mes petits-enfants au cimetière. Je suis touché. Les paroles que je parle aujourd'hui, ça ne s'arrête pas seulement ici en France. En direct, Kinshasa, Mujimbaï, tout le monde m'écoute au moment où nous parlons ici. Je dis que cet enfant n'est pas mort. Mais là où il est parti, il doit se manifester. Parce que les circonstances de sa mort, tout le monde s'étonne. C'est à lui de nous montrer qui est responsable de sa mort. Il est mort avec sa femme que nous allons encore bientôt enterrer. Belor, je répète que je suis ton grand-père. Tu n'es pas mort. Tu es le sang des chefs coutumiers. Tu es un roi qui est dans le cercueil. Ça ne se fait pas chez nous. Tout le monde regrette ta mort. Je sais que tout a une fin, mais aujourd'hui, c'est ta fin. Je suis avec ta maman ici, avec ta tantine Marie. Nous allons continuer à parler en famille pour tous ceux qui restent de ton deuil. Tu es un chef. Allez dans les endroits des chefs. Tu es un roi. Allez dans les endroits des rois. Moi, ton grand-père, j'ai une lourde tâche. Quand aujourd'hui je suis venu pour t'enterrer, c'est plutôt toi qui allais m'enterrer. Que le Seigneur te bénisse. Adieu. Tout le monde, je vous remercie beaucoup de votre présence. Le reste, on va continuer dans la salle. Je sais que c'est une tâche difficile. Nous allons faire tous un effort pour supporter cela.
Je vous remercie. On va faire quelque chose. On va applaudir très fort pour Bruno. Bien. Tu as montré vraiment que non, tu es un homme de bien, un homme de paix. Tu pars, Gel, ça fait mal, mais toute la famille, nous sommes là, les grandes sœurs, les grands frères, ainsi que les petites sœurs et les petits frères. Nous regrettons du fait que tu partes comme ça, mais nous rendons gloire à Dieu, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Il savait qu'on allait se retrouver là en ce moment pour dire ce que nous sommes en train de dire. Un bon repos, mon ami. Un bon repos, mon frère. Un bon repos. Nathalie Bamba, c'est un aïe. Non, champion, fais-moi. Repose-toi. Oh!
ndeko na ngai solo na misala mabe osalela ka Je prie, ô Dieu, que tu consoles nos cœurs, que tu étends ta main dans la vie de chacune des personnes ici présentes, Seigneur mon Dieu. Que l'amour de notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, what
Eloko ya sika na se na moyi ezali te. Vanité de vanité, tout est vanité. Thank you.
sang aussi. Tout fait, Yanni. Mon frère, Yanni, on se trouve au... Je ne devrais pas que je ne t'arrête plus. Je me suis blessée, je suis restée en arrêt maladie. Et pour m'apporter la nouvelle, je suis allée à la Kabbalah. Un gentil locataire, je vais laisser un grand vide dans le site. Tes voisins te pleurent. Par en paix. Et reste dans la maison du Père éternel. Vanité de vanité. S'il vous plaît, ceux qui veulent jeter les fleurs. Poursuit du vent. Comme ça, ils vont fermer. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakosa la nini pour la zutini, la silikosa la pena l'aimé. Nakosa la nini pour la zutunamai, la silikosa la pena l'aimé. Zoto yo senga kinga yelama, zoto. Pesa kio Toto yo sena kinga imasanga Toto Pesa kio Toto yo sena kinga ibwa tenui Tobare Nakotisa kio Asile loyo Toto Toto Oke inalilita Ope singata Mersite Nanyoso Asale liyo Toto na ngai Toto senga ki ngai basi ya pembe Ngai Pesa kiyo Senga ki ngai ya mwindu ya mokuse Ya molai Pesa kiyo Posa ya nzoto senga kinga i Toto Asale la kiyo Asile loyo Toto Toto Oke ina lilita Ope singata Mersite Nanyoso Asale liyo Toto nangai Toto nangai Toto sena kingai diambae Toto shimbok na pesa kio Shishato bilamba mukuse Toto na pesa kio Motoka ndenge na ndenge ya shere Mwesher nzoto na pesa kio Toto sena kingai kabelo e Toto, pesa kiyo Ma voyage kili kili pousa na yo Toto, asale la kiyango Asile loyo Toto Toto, oke ina lilita Ope singata mersite Anyoso, asale liyo Toto nanga, Toto Oki singa soni Nako sala nini pona nzoto nanga Nasiliko sala pena limbi Nako sala nini pona nzoto nanga Nasiliko sala pena limbi Toto singa kinga inyo soe Toto Pesa kiyo Zoto senga kinga ibana e Zoto Abota kibango
Nzoto senga kinga ibambongo Nzoto Napesa kiyo Tia kayo moto zui grasa Tia kayo moto zui grasa Banganganza meyo moto zui ngolu Banganganza meyo moto zui ngolu Isengo ya mokili eko lekana emu Niloba eko tika la siko Mamiyose ya mokili eko lekana emu Niloba eko tika la siko Nyoso ya mokili eko kwea na maye Niloba eko tika la siko Yokanga yo muto zui grasa Yokanga yo zana bomboy Yokanga yo muto zui grasa Yokanga yo muto zo viva Misengo ya mokili eko lekana yamu Niloba eko tika la siko Osa ya nzoto eko lekana yamu Niloba eko tika la siko Basi ya batu bako lekana bango Niloba eko tika la siko Aliloba ya nzambe Sosola yango Tika mabena mokilo yo Banga kanzambe Aliloba ya nzambe Sosola yango Tika mabena mokilo yo Banga kanzambe C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le chat parfait et réfléchi de l'éternel. Frères et sœurs marchant dans la crainte du Seigneur. Car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem. Mitema ezali ya kozika, mitema ezali na pasi, makasi ata moko ezali te. Nayebi ke bokaboli mwa ntango na bino mpona kozala na biso elongo mpona kotika oyo azali mwana na biso oyo azali ndeko na biso bozoka te nalobi boye nayebi ke Les étrangers me demandent de parler dans la langue qui est communicationnelle à tout le monde. Je remercie tout le monde d'être présent dans cette salle. Vous nous avez accompagnés depuis le début de cette triste nouvelle qui nous a tous consternés jusqu'à ce moment. Vous avez partagé les douleurs, la peine, la tristesse, les mauvais moments avec nous. Ce que nous devons vous donner, c'est de vous dire grand merci pour la compassion que vous avez témoignée, de partager les tristes moments avec nous. Pour cet instant, nous vous demandons que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit avec tout un chacun qui a été de notre du début à la fin. À cet instant, nous vous demandons d'être un peu calme parce que nous allons faire un mot de prière. Prions. Tendre Père Céleste, qui est tout-puissant, notre Père, nous te rendons grâce pour cet instant, Seigneur, parce que tu es parmi nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as tenu compagnie jusqu'à la dernière demeure de notre fils, de notre ami, de notre frère, de notre papa, Bélor qui se repose maintenant. Et voilà, Seigneur, tu nous as fait assembler dans cette salle. Parce que la Bible me dit, vaut mieux aller dans le lieu de deuil que d'aller dans le lieu
de fête. C'est à ce moment où tout le monde doit entrer en lui-même pour savoir s'il est en communion avec toi, oui ou non. C'est à ce moment où tout le monde va prendre la décision de te suivre, de connaître et de reconnaître encore que tout est éphémère, tout est passager, tout est vanité et vanité, la poursuite de l'air. Seigneur, donne-nous la force. Protège tout un chacun sur son chemin de retour. Et que vraiment tu puisses récompenser tout le monde qui a donné de son temps, qui a partagé les douleurs avec nous, et que nous aussi, nous puissions être consolés par la puissance du Saint-Esprit. Reste avec les bébés, reste avec tout le monde dans la paix, la tranquillité, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je vous remercie beaucoup. Merci. Essayez un peu de déterminer ces moments. Donc, il y aura une équipe qui va passer rangée par rangée pour essayer un peu de vous donner, c'est juste un petit rien. Donc, ils vont passer vous servir. Évitez de venir demander ici parce que ça va être compliqué de gérer ici et de gérer par là. Donc restez bien assises, on va passer vous servir rangée par rangée. Merci.